Aujourd'hui, si je n'aurais pas eu à dépêcher, je ne sais pas où que je serais rendu. Si Maxime et Joanie peuvent tenir leur petite Bianca quotidiennement dans leurs bras, c'est en grande partie grâce à leur travail d'équipe avec la DPJ. La rechute est arrivée, je te dirais, peut-être trois mois à peu près avant que j'accouche de la petite. Il y avait eu quand même des plaintes qui s'avaient faites concernant ma grossesse. Je te dirais même quand je l'ai vue partir, ça a été un moment dur. Mais là, je me dis, ça fait plus qu'un an qu'elle est revenue. J'encercle mes journées d'abstinence pour le cannabis. Des familles à aider comme celle de Joanie et Maxime, il y en a plus de 200 en attente actuellement. Mais les ressources, elles, ne suivent pas. C'est pourquoi 84 intervenantes de la DPJ lancent un cri du cœur via une lettre ouverte. Il y aurait 1300 que c'est des gens qui ont été engagés dans la dernière année. Donc, un an d'expérience, c'est-à-dire un 40% de tous les intervenants qui travaillent avec la clientèle la plus vulnérable. C'est un travail qui n'est pas facile, puis qu'il faut qu'il soit reconnu à la hauteur de tous les efforts et l'énergie que ça commande à nos intervenants sur le terrain. D'ailleurs, dans cette lettre, même des enfants témoignent du manque de ressources. C'est le cas de Jeanne, 12 ans. Les intervenants disent qu'ils cherchent une famille d'accueil pour m'accueillir, mais je suis au courant de rien. Je ne sais pas où je vais vivre. J'ai l'impression que ma vie n'est pas importante. Oui, il y a eu des choses de fait, mais c'est insuffisant. La solution, c'est qu'on prenne le temps d'évaluer notre situation, la situation des enfants, qu'on s'assure qu'un enfant qui est pris en charge par la protection de la jeunesse, on lui donne les soins. On a peur énormément qu'il arrive encore quelque chose aux enfants. Puis si ça ne change pas, il va encore arriver des choses aux enfants. De son côté, le cabinet du ministre responsable des services sociaux explique qu'il faut une meilleure première ligne pour prendre en charge les cas les moins urgents. Il affirme vouloir aller encore plus loin et continuer de réformer en profondeur les réseaux de protection de la jeunesse. Le bébé! Joanie et Maxime souhaitent aussi des changements à la DPJ pour que d'autres parents dans le besoin puissent avoir le soutien qu'ils ont obtenu et qui leur permet aujourd'hui d'avoir confiance en l'avenir. Hein, tu vas avoir un beau petit frère. Elle va pouvoir vivre avec son petit frère. Puis tous les moments que j'ai peut-être pas pu vivre avec elle, je vais pouvoir les vivre avec son petit frère Jordan. Iliane Pilote, TVA Nouvelles, à Sainte-Croix.